Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Les Secrets de Nana, je suis Razika, c'est parti pour une petite vidéo à Ziman d'Ivry-sur-Seine. Tiens, tiens, des petites tongs comme j'aime avec l'élastique derrière pour maintenir le pied. C'est très important parce que c'est vrai que des fois on voit des jolies petites tongs pour les tout petits, mais c'est bien quand il y a l'élastique, ça leur permet de maintenir leur pied. C'est 1,79€, il y a plusieurs couleurs. J'ai vu qu'il y en avait aussi avec des dinosaures. Au niveau des tailles, vous allez trouver du 24 au 31. Ensuite, on a des chaussures comme ça pour aller dans l'eau. C'est super pratique. Pensez-y surtout si vous allez dans certaines régions ou si vous allez dans des régions où il y a des lacs, etc. C'est bien pour marcher dans l'eau quand il y a des pierres et tout ça. Et certaines aussi régions comme je pense par exemple en Normandie, je sais qu'il y a des plages où c'est des galets, des gros galets et tout. Et sans ce genre de chaussures ou chaussures qui ferment complètement, vous pouvez pas aller dans l'eau après. 3,99€. Les tongs 101 dalmatien 2,49€. Donc il y a les blanches, les rouges. Alors cette fois-ci, du coup, il n'y a pas l'élastique. Qu'il est mignon ce petit dalmatien, 7,99€. Notre élément important pour les vacances, c'est les casquettes. Il y a celle-ci avec le petit chat, il y en a des bleus. Alors pareil, petit conseil, moi ce que je fais sur les casquettes ou sur les chapeaux, alors les casquettes déjà je sers bien. Quand c'est des scratchs, alors je rajoute toujours un petit point parce qu'en fait au bout d'un certain moment, le scratch il tient pas trop bien. Et quand c'est des chapeaux, je rajoute des élastiques. Voilà, voilà, parce qu'on sait jamais si ça s'envole, au moins c'est retenu. Mais celle-ci elle est très jolie avec les papillons, 2,49€. Celle-ci aussi. Le chapeau tropical, 2,99€. Donc voilà, ce genre de chapeau. Moi, j'ai tendance à rajouter un petit élastique. Alors, cela, c'est pour les plus grands. Mais comme ça, ça évite si le chapeau il s'envole, au moins, c'est retenu. Il y a vraiment des jolies choses pour enfants. Hein. Il y a ce haut-là avec le petit nœud à nouer. 3,99€. Alors je vous le dis à chaque fois, mais franchement chez Ziman on trouve vraiment des très très jolies choses, des petites robes. Il y en a pour tous les âges, il y a pour les bébés, pour les plus grands. Cette robe, 7,99€. Pour garçon, 2,99€. On va faire un plan plus large, comme ça vous voyez. C'est vrai que parfois quand on rentre chez Ziman, on se dit « Oh mais c'est petit, il n'y a rien. » Mais comme je vous dis à chaque fois, regardez tout le long du mur, vous voyez, il y a des vêtements... au fond il y a de la lingerie, il y a des vêtements pour femmes et pareil pensez à regarder aussi en dessous des bacs parce qu'il y a certains magasins vous avez les articles là et là c'est un petit peu la réserve mais là pour le coup en bas c'est d'autres articles. Fin galette de chaise en velours, 3,99€, il y a plusieurs couleurs, il y a moutarde, il y a vert. Tiens, il y a aussi galette de chaise en moumoute comme j'appelle ça. J'étais passée devant, je trouve ça trop mignon aussi pour les petits 1 an et demi à 2 ans, les petits shorts de bain comme ça. Il y a les dragons ou plutôt les fleurs. Alors, il y a un article que vous aimez toutes à l'unanimité, on va dire ça comme ça, c'est la laine de chez Ziman. Je sais que vous êtes beaucoup à me dire écoute Nana, la laine elle est super bien. Moi je tricote pas donc je peux pas vous donner mon retour, mais déjà ils ont plusieurs couleurs, ils ont plusieurs modèles. Alors parfois je vous fais des vidéos spéciales laine où je vous détaille toutes les pelotes, mais là c'était juste pour vous montrer un petit peu parce que quelqu'un m'avait demandé s'il y avait de la laine à Ziman. Et effectivement, oui, bien sûr, il y a de la laine. Du coup, je reviens en arrière parce que j'ai pas fini de vous montrer toute la collection des 101 dalmatiens. Il y a aussi des serviettes de plage, il y a des sacs, des petits gants. Il y a aussi, oh, elles sont trop belles en plus, les petites casquettes, 3,49€. Et oh là là, ça c'est trop mignon, les petits bodys à 3,49€ et en sens encore plus mignon, les petits peignoirs à 7,99€. En ce moment c'est très très à la mode les tie and dye sur les vêtements. Donc on en a un là à 2,99€. Vous pouvez aussi l'utiliser avec la machine. Et là alors j'ai l'impression qu'il y a un t-shirt, je sens quelque chose. Non, il y a 3 bouteilles à pression facile, une bande autocollante, 20 bandes élastiques, 3 encres à poudre, une paire de gants et un livret d'aide à la fabrication. Ceux qui ne savent pas, c'est dessiné en plus. Ceux qui ne savent pas ce que c'est et pourquoi il faut des élastiques, en fait, vous allez mettre plein d'élastiques sur votre t-shirt, sac, etc.
Et puis après, vous allez mettre de ces peintures-là. Et en fait, ça va vous faire des effets comme ça. Donc après, il y a plusieurs couleurs qui sont disponibles. Alors, je reviens du côté laine, parce qu'il y a un petit coin que je n'avais pas montré. Et il y a ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, pour faire... des canevas, non? Je ne sais plus comment ça s'appelle, tiens. 2,99€, il y en a 3. Puis il y a ça aussi pour faire les pompons. Moi, quand j'étais petite, j'adorais faire ça. Alors, je faisais ça avec du carton. Hein. Mais même ça, une activité avec les enfants, ils adorent ça. 79 centimes. Puis on a des débardeurs côtelés côté femme. 3,99€. Oh, il y a aussi des chapeaux côté femme, donc ça peut être sympa si vous avez des filles d'avoir vous le grand et puis elles les deux. 2,99€. Alors ça c'est les tuniques de plage, mais qu'on peut mettre aussi au quotidien. Moi j'en ai une que je mets au quotidien, donc il suffit juste de mettre un débardeur si vous en avez envie en dessous, mais bon, vaut mieux parce que c'est assez transparent. 7,99€. Et il y en a aussi des fleuris. Ah non, c'est pas les mêmes. Ça, c'est en haut. 8,99€. Short en jean. 9,99€. Ah, au niveau des tailles, ça va du 36 au 48. On a des pantacourts. J'adore les pantacourts, moi, l'été. 12,99€, du 38 au 48. On a aussi ces manteaux. 19,99€, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des cirés, mais vous voyez, c'est des manteaux assez légers, donc en général on met ça quand on va en vacances en bord de mer où il fait un petit peu frais le soir, ça peut être sympa, ou aussi sur les bateaux. Tiens, 17,99€, c'est sympa hein. Alors vous me demandez souvent après les robes longues, là on en a une, je vous l'ai déjà présentée d'ailleurs, elle est à boutonner, voilà, mais elle est ouverte sur les côtés, un petit peu ouverte sur les côtés, elle est à manches longues, 19,99€. On a celle-ci qui est sympa aussi, elle doit aller au niveau plus bas que les mollets, ça va dépendre de votre taille, 11,99€. Et celle-ci par contre, elle est pas ouverte. Alors il y a plusieurs motifs, hein. Celle qui était boutonnée, il y a celle-ci aussi, avec ses fleurs. On a celle-ci aussi. Celle-ci, c'est celle qui est un peu plus courte. Une boîte de conservation, mais dedans il y a trois petits compartiments, donc en fait on a trois compartiments, et on peut aussi se servir du coup que de la grande. 1,99€. Donc c'est vrai que je suis en train de voir, donc là ils ont mis des apéritifs. Ça peut être sympa aussi après, des fois il reste des apéritifs, on peut les remettre dans la boîte. On a ceux-là, puis on a des plus petits comme ça. Alors je vois aussi, on peut mettre tout ce qui est loisirs créatifs. Hein. Donc celles-ci sont à 1,49€. C'est sympa ça, je suis en train de penser tout ce qui est perles, boutons, etc. Après je suis en train de penser pourquoi pas aussi pour ranger les piles. En tout cas j'aime bien. Donc il y a plusieurs hauteurs, et en même temps je réfléchis, sympa aussi dans les tiroirs hein, pour ranger pourquoi pas trombone, etc., élastique, etc. Donc en fait on peut faire un peu ce qu'on veut avec ces boîtes là, et c'est alimentaire. Alors faites bien attention quand vous achetez des boîtes, il faut qu'il y ait ce petit sigle, vous savez, avec la petite fourchette et le petit verre. Quand il y a ce sigle, c'est que vous pouvez mettre des aliments. Puis ce matin dans une autre vidéo spéciale cuisine, vous avez parlé de ces ustensiles, je vous disais c'est ça qu'il faut utiliser pour éviter de rayer les poêles, les casseroles, etc. C'est 99 centimes. Alors ce matin il y avait juste une spatule, mais là on a plusieurs choses. Donc le plus important hein, c'est pour moi, pour les poêles, c'est ça et la cuillère. Petite bouteille. Alors des fois je découvre en même temps que vous. Hein. Alors, faut pas que je fasse tomber. J'essaie de... Ah, c'est sympa ça. 1,99€. Alors c'est sympa parce qu'en fait là c'est fermé, quand vous allez mettre l'eau, l'eau va sortir sur les côtés là. Et c'est très bien aussi pour les enfants parce que ça évite d'en mettre un petit peu partout. Et puis vous, ça vous rassure, au moins il n'y a pas de petites bêtes, mouches, etc. qui rentrent à l'intérieur. J'aime bien, franchement très bien. Ils ont plusieurs styles de boîtes, 1,49€. On a celle-là, 99 centimes. 99 centimes. Tiens, je vois... Push-up.
Oh, c'est la fermeture, donc hop, et on rabat. Donc c'est 1,99, il y en a deux, il y a plusieurs couleurs, il y a du rose, du vert, du noir. Il y a des toutes petites bouteilles aussi, 99 centimes. Ça peut être sympa à présenter l'huile, le vinaigre par exemple. Pourquoi pas mettre du sirop aussi à l'intérieur. 49 centimes celle-ci. On revient dans les 101 dalmatiens. On a aussi les couverts, 99 centimes. On a aussi Mickey. On a pas mal d'autres personnages. On a les petits bols là, 1,49€. Mickey Mini, 101 dalmatiens. On a Peppa Pig aussi. Et quelque chose que vous faisiez beaucoup à rechercher en ce moment. Et c'est vrai que ceux-là, elles sont pas mal. C'est les gourdes, 2,99€. Alors moi, je regarde toujours. Hop, c'est des bouchons sport comme ça. Alors, je vérifie ce que je vérifie quand j'en donne à mes enfants. C'est aussi comment ça se referme et comment ça s'ouvre. Parce que si c'est trop dur, je ne leur donne pas. Mais aussi, je vérifie quand ça se ferme, est-ce que ça tient bien ou pas. Parce que ça évite après que ça se renverse dans le sac de goûter. Oh, Super Mario, dans le sac de goûter ou bien dans le cartable. Oh, il y a même... comment ça s'appelle ? Je m'en souviens plus, j'espère que mon fils n'a pas regardé la vidéo parce qu'il adore ce jeu. C'est Roblox. Il y a Mickey et Minnie aussi. Bah tiens, mon fils il m'a demandé une tirelire il n'y a pas longtemps. Et moi j'aime bien les tirelires qui ne s'ouvrent pas. Vous voyez, donc pour les ouvrir, bah, il faut, en fin de compte, il faut un... Comment l'expliquer ? Un ouvre-bouteille. Donc on a le Monopoly rouge, celui-là. Et puis on a les 120 dalmatiens. On a celui-là. Et celui-là. Donc 99 centimes. Donc on a celle-ci, 99 centimes. Mais j'aime bien les Monopoly là. On a aussi les tasses, elles sont en plastique, donc très pratique pour les enfants. Du coup, 1,49€. Elle est 101 dalmatien. Oh, c'est sympa ça. Donc on a le portefeuille et la montre. Les 101 dalmatien. Sinon, on a aussi la petite Marie. 5,99€. Alors, il y a un truc qu'elles adorent, les filles, l'été, c'est avoir des petits sacs à main. Donc là, il y a plusieurs choix. Il y a celle-ci avec les paillettes. Il y a celui-ci avec les paillettes. 3,99€. Oh, le petit lion. 3,99€. Oh, les 101 dalmatiens, évidemment. 4,99€. On a le petit tigre, là. 3,99€ aussi. Et puis, on a Snoopy. Puis, on a aussi ce petit sac. Plutôt sympa. Ça peut être aussi pour les... Les grands, hein, les grandes comme moi, 2,99€.